Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Sfia Ouarfa. Sfia Ouarfa, bonjour. Bonjour. Députée bruxelloise. Et alors, vous n'êtes plus socialiste? Ah non, je suis toujours socialiste. C'est même pour ces raisons-là que j'ai franchi ce pas très pénible de quitter le PS. Donc vous quittez le Parti Socialiste, mais vous restez socialiste, je suis socialiste dans l'esprit. Je ne suis pas dans l'esprit, je suis dans toutes mes convictions, dans mon âme et dans mon corps, dans tout. Je suis socialiste. Mais dans PS, le P a pris trop de place et pas le S. C'est ça le problème. Alors pourquoi est-ce que vous quittez le Parti Socialiste? Expliquez-nous les raisons qui vous poussent à franchir ce pas que vous qualifiez vous-même de pas difficile et douloureux. Mais vous savez, si vous lisez un peu ce que j'écris depuis longtemps, soit dans les réseaux sociaux, mais aussi toute l'affaire de 2006, etc., je lançais des cris d'alarme, je défendais les valeurs socialistes. J'étais toujours en accord avec les statuts du parti, et plus encore avec la charte de Carnion, puisque je m'étais inscrite dans une tendance qui aujourd'hui est tout à fait minorisée, dans une tendance, avec Philippe Mouraud, une tendance marxiste qui est celle de ramener le PS plus à gauche. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup milité pour le PS en 70, sans m'encarter, puisque je n'étais pas belge, je pensais qu'il fallait être belge pour entrer dans un parti. J'ai milité pour un homme formidable qui nous a quittés, c'était Guy Cudel. Et dans les années 80, il n'était pas question de rentrer au PS, vu un certain nombre de sorties assez méchante à l'égard de l'immigration et qui ne correspondait pas. On va peut-être réexpliquer. Hein. Vous êtes d'origine marocaine, vous arrivez en Belgique au début des années 70, à Schaerbeek, où il y a un certain Roger Nolz qui est bourgmestre et où il y a, on va dire, une politique qui est une politique discriminatoire vis-à-vis des étrangers. Oui, je suis arrivée en Belgique, j'étais en Anderlecht d'abord et puis... on parle des 50 ans de l'immigration, la plupart de personnes que je connaissais du Maroc, des hommes notamment, surtout, après les familles étaient là, c'était des hommes qui venaient de ma région, ils étaient seuls, ils habitaient plutôt à proximité des gares, c'était plus Schaerbeek qu'à la gare du Nord, dans les rues de la Poste et environ, en arrivant là, j'ai découvert tous les problèmes qu'ils avaient confrontés au racisme mais aussi au rejet. Plus cette génération ne parlait pas le français. Mais donc vous êtes d'abord une militante antiraciste, de devenir une militante socialiste. J'ai toujours été socialiste, puisque mon premier parti auquel j'ai adhéré, j'avais 16-17 ans, c'était au Maroc, au lycée, c'était le PPS. Et le PPS, c'était le parti pour le progrès, le socialisme. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous ne vous reconnaissez plus dans le Parti Socialiste d'Elio Di Rupo, de Loretta Nkellings et toujours de Philippe Mouraud? Le parti n'appartient pas à Loretta Nkellings ni à Elio Di Rupo. Le parti appartient aux socialistes. Et aujourd'hui, on ignore cette base. Les membres du PS, c'est eux qui font le PS. Et aujourd'hui, on n'en tient pas compte. On n'en tient pas compte dans tout. Le TSCG, par exemple. Donc, quel fameux, et un certain nombre. Oui, le traité de solidarité et de gouvernance, le traité budgétaire européen. Ouais. Le traité budgétaire, par exemple, n'a même pas fait l'objet d'une discussion interne. Ce n'est pas nous, ça. Donc, vous n'avez pas voté Non, je n'ai pas voté, j'avais prévenu. Alors que l'ensemble des parlementaires, en tout cas moi, du Parti Socialiste, ont voté. C'est ça la cause du divorce? Disons qu'il y avait un divorce depuis quelque temps, il y avait des petites... Déjà au communal, vous n'étiez pas présente sur les listes à Schaerbeek, vous avez pris des distances. J'ai pris mes distances. Qu'est-ce que vous reprochez à Loretta Nkellings? Mais non, les élections de 2006 avaient laissé quand même un grand déchirement, parce que j'ai toujours rêvé pour cette grande commune pour laquelle vous vous rappeliez Nolz. Et mon rêve, c'était... Mon rêve politique, c'était d'abord Schaerbeek. C'était que cette belle commune puisse passer à gauche. Et j'ai fait tout pour que Lorette vienne à Schaerbeek. J'ai fait tout. Je pense même avoir été la première à l'avoir proposée. Et avec elle, on pensait passer à gauche. Et puis donc, ce qui s'est passé le soir des élections m'a laissé vraiment sur le carreau. J'ai perdu un certain nombre de repères. Et notamment parce que, par des erreurs de casting que nous avions fait. Mais c'est pas de la faute de Lorette Nkellings si elle perd les élections aussi? Je ne dis pas que c'est la faute de Loretta Nkellings, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire au nom de gagner les élections à tout prix. Par exemple, pour que tout le monde nous comprenne, Sfia Ouarfa, qu'est-ce que vous reprochez? Mais en 2006, il y a eu un casting qui n'était pas du tout en accord avec les valeurs. Vous avez été le premier à me forcer, d'ailleurs, pour faire cette émission de télé à l'époque, pour dénoncer ce qui s'est passé, pour expliquer ce qui s'est passé, où j'étais vraiment... C'est-à-dire qu'on prenait des candidats à trappe-voix. On a recruté, c'est quelque chose que j'ai redit par après. Et pour défendre des valeurs socialistes, on me fait passer en commission de vigilance. Là, vraiment,
Là, j'ai d'abord été choquée, et puis il y a eu beaucoup de tristesse, mais aussi beaucoup de colère. Donc on peut dire que ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'un long divorce qui a commencé à ce moment-là. Je veux dire qu'avec Philippe Moreau, comme président de la Fédération, on avait fait passer un certain nombre de dossiers. Il était à l'écoute, on pouvait aller de l'avant. Et puis ces derniers temps, et singulièrement depuis l'élection, enfin depuis qu'on a un Premier ministre et un parti qui veut absolument être de tous les pouvoirs, on oublie un peu la base, cette base n'est pas consultée. Je suis persuadée que l'ensemble des socialistes ne sont pas d'accord pour voter un traité européen, ne sont pas d'accord que demain 55 000 personnes vont frapper à la porte du CPS. Et ce sont nos électeurs. Moi, j'ai perdu un peu d'électeurs en 2009 parce que ma base d'électeurs sont des gens très à gauche, qu'ils soient des universitaires ou qu'ils soient des intellectuels, mais aussi des familles ou des ouvriers. C'est plus à gauche. Et ces gens m'ont dit en 2009, on ne vote pas pour toi au lendemain de dossiers de magouilles, de gens qui touchaient 30 000, un ministre qui avait 30 000 euros en plus pour une consultation d'une intercommunale, enfin bon, bref. Mais vous quittez maintenant, on est à 4 mois des élections, c'est un peu tard, non ? Il vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Mais bon, mais c'est une déchirure, bien évidemment. Mais après le vote du TSCG, j'avais prévenu Paul Magnette en lui disant, je pense que stratégiquement, il faut qu'on ait quelques-uns qui pourront voter contre ou s'abstenir, parce que ce bidule va passer sans nous avec la droite. Et bon, on ne m'a pas donné cette occasion. Tant pis, on a vu même d'ailleurs qu'Écolo avait au moins 2 personnes qui ont voté contre. Je crois que stratégiquement, on aurait pu avoir 4-5. Et je n'aurais peut-être pas fait ce pas. Alors, quelques jours après, j'ai remarqué qu'on ne m'invite plus à la réunion de groupe, mais qu'on ne me convoque plus, on ne m'envoie plus de notes pour les commissions. Vous êtes senti exclu de fait, c'est ça? J'étais exclu de fait, sans le dire officiellement. Ouais. Pourquoi est-ce que donc vous n'avez pas pris de carte au PTB? Non. Hein, mais vous appelez quand même à les soutenir pour l'élection prochaine. Je soutiens l'appel de ce rassemblement de gauche qui rassemble des intellectuels, mais aussi la LCR et les communistes, je connais. Et des personnalités comme Josie Dubié, par exemple. Josie Dubié, Anne Morelli, Isabelle Stenger, ce sont des gens... S'ils n'avaient pas lancé cet appel, vous ne les auriez pas rejoints? Non, peut-être non. Ouais. S'il n'y avait pas cet appel, peut-être que je n'aurais pas rejoint. J'aurais peut-être quitté le PS en disant salut ou au revoir et c'est tout. Vous ne serez pas candidate au mois de mai prochain ? Je ne pense pas. Vous ne pensez pas, c'est vrai que ce n'est pas sûr ? C'est pas sûr. C'est-à-dire que je vous ai dit, je ne m'encarte pas et je ne serai pas candidate parce que il ne faut pas se moquer non plus des électeurs. Prendre sa carte d'un parti, c'est un sacrifice de tous les jours. Il faut travailler. Et je l'ai prouvé au PS. C'est pas seulement venir au Parlement. Moi, c'est tous les jours sur le terrain, etc. Est-ce que je peux le faire encore maintenant? Je ne pense pas tout à fait. Je m'engagerai, mais à ma manière. Mais si le PTB vous propose une place sur une liste, vous n'allez pas forcément refuser. Aujourd'hui, dire qu'on est candidat, c'est se moquer un peu des électeurs. Et vous vous reconnaissez dans toutes les valeurs du PTB, qui est un parti quand même marxiste-léniniste, qui prône la révolution et un État socialiste? Mais c'est une question qu'on a déjà posée à plusieurs et c'est la seule question qui revient comme ça en refrain. Je crois qu'il ne faut pas diaboliser les communistes et le communisme. Ça devient un peu lassant de faire ça. Je pense que beaucoup d'entre nous, au PS, s'inspirent du marxisme, beaucoup. La charte de Carnion, telle qu'elle a été... Donc un des textes fondateurs du PS. Un texte fondateur du POB, s'inspire, Emile van der Velde, c'est une inspiration marxiste. Et il faut rappeler aussi, pour ceux qui ont peur du communisme, que les résistants contre les nazis, tous les résistants, c'était des communistes. Et c'est l'armée rouge qui a libéré les camps nazis. Et que répondez-vous à ceux qui disent « Oui, mais voter PTB, ce n'est pas un vote utile et ça va priver la gauche parlementaire, le PS, peut-être d'un ou deux députés qui sont utiles dans le rapport de force ?» Ça, c'est de la démagogie. Je pense que le PTB n'est pas le PTB go. Et les autres partis de gauche ne sont pas des ennemis du PS. Et je crois que l'exemple à Liège, par exemple, où il y a eu des élus de Vega et du PTB, n'ont pas fait diminuer les sièges du PS, au contraire. Je pense que c'est une opportunité pour un certain nombre d'électeurs qui ne se reconnaissent plus dans un certain nombre de partis traditionnels et qu'on peut ramener
vers le PTB, qui est un parti, pour moi, démocratique. Enfin, il faut quand même pas déconner, quoi. Alors, j'ai plusieurs questions Twitter pour vous. Je vous propose celle-ci. Le PTB a-t-il raison de négliger le scrutin européen, vu qu'il ne risque pas d'y remporter de siège? Est-ce qu'il faut se concentrer sur les élections où il a une chance, ou est-ce qu'on doit être candidat partout? On ne peut pas être candidat partout. Maintenant, je ne suis pas au bureau politique du PTB. Si on vous propose une place sur une liste à l'Europe, vous l'accepteriez? Non, je dis non, non. Non, non. Alors, une question moins sympathique. David Sildelberg vous demande si vous allez prendre des indemnités de sortie. Alors, je suis pas très au courant de ce qu'il y a comme indemnité de sortie. Et vous ne démissionnez pas, hein, vous restez jusqu'aux élections parlementaires. Non, je ne démissionne pas. Non, non, non. Maintenant, je vais encore plus travailler, puisque dans cette coalition au Parlement bruxellois, il est difficile pour un parlementaire de poser toutes les questions et les interpellations et même toutes les propositions d'ordonnance. Peut-être que j'aurai l'occasion maintenant de rattraper un peu le temps perdu, puisqu'il faut faut négocier avec les partenaires, etc. Alors, pour revenir à l'indemnité de sortie, vous savez, je n'aurai pas une indemnité de sortie. Je ne vais pas avoir un paquet d'argent où je pars avec 200 000 après 20 ans de mandat, 19 ans. Non, j'aurai une indemnité de départ qui sera sous forme d'un salaire pendant un certain nombre d'années. Voilà, les premières années de etc. Donc, bon, si on change la loi là-dessus, je dis oui, pas de problème. Est-ce que vous avez encore un bureau au Parlement bruxellois, ou c'est fini? Pour le moment, je l'ai encore, mais j'attends qu'on me vire de là. Et donc, je vais être SDF, député SDF, quelque temps. J'ai un peu demandé à certains... Sans bureau, c'est pas tout à fait sans domicile. Sans bureau, ça revient au même. Hein. Ouais. Ouais. Vous en voulez au PS ou... Non, c'est beaucoup de tristesse. Et j'en veux à certains comportements, ce déni de démocratie interne qui est lié aussi aux politiques que nous menons au fédéral et ailleurs, en concédant un certain nombre de choses pour la droite. Moi, j'aimerais bien savoir ce que la droite nous a concédé dans cette coalition avec les Bleus au fédéral et ailleurs. Enfin, ailleurs, non. Surtout au fédéral. Merci, Sir Barfa, d'avoir été l'invité de l'interview. Et merci de m'avoir invité, parce que ça fait 12-13 ans que tu t'es zappé un peu de Télé Bruxelles. C'est un grand événement. C'est réparé. Et donc, on vous donne la parole. C'est un Français qui me fait ça. Merci. Merci, Sir Barfa. C'était l'interview. Dans un instant, c'est la météo avec Patrick Vermeer.